Mouton intergalactique. What the fuck? Eh bien, salut tout le monde, ici Azara, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une vidéo sur Minecraft. Eh oui, j'ai regardé des vidéos de Mr. B-Boy et il faut dire qu'il m'a donné totalement envie de le réinstaller. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de fans de Minecraft sur ma chaîne, mais bon, je prends le risque. Oula, j'ai eu un petit ralentissement avec Fraps, bon, je pense que ça devrait aller. Donc, pour ceux qui connaissent bien Minecraft, surtout le multijoueur, je pense que tout le monde a reconnu le serveur Epicube. Je me suis un peu lancé dans les mini-jeux. Faut dire que je galère. Je vais pas me lancer dans le PVP, le UHC et tout ça. Non, je vais pas me lancer là-dedans pour l'instant. Je vais attendre d'avoir un peu plus d'expérience dans le jeu. Cela, faut dire que ça fait des mois, mais des mois, voire années peut-être, que j'ai pas joué à Minecraft. C'est un truc de dingue. J'ai retrouvé mon compte tout à l'heure et tout, donc ça va, c'est nickel. Pour l'instant, on va faire un petit pitch shoot. Hein, un petit pitch shoot comme ça. Tranquille, en mode posey. Le petit pitch shoot qui va bien. Coup de pelle dans ta tête. Et après, on verra bien. Alors, peut-être faire du Minecraft sur ma chaîne, je ne sais pas trop. Faut voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si ça vous dérangerait ou pas, si ça vous plairait ou de faire un petit mine, de faire je sais pas une petite série, un petit truc ou des petites vidéos PVP comme ça peut être sympa. Moi en tout cas je suis pour. Après, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo annonce pour une série Minecraft modée. Il y a très longtemps, ça s'est pas fait parce que tout simplement j'étais sur d'autres let's play à ce moment-là, ça m'aurait pris trop de temps et surtout le serveur était surmodé à mort. Il y avait je sais plus combien de modes, je crois que c'était une centaine de modes et je me disais, oula, tiens toi, mange, allez, je me casse et je me disais que ouais c'est un peu trop modé quand même, un peu trop modé. Je préfère les le laisser en vanilla ou être sur des petits serveurs fun comme ça. J'ai pas envie de me casser la tête avec 40 000... Bah vas-y toi, prends ta flèche. Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête avec 40 000 mods à installer. Allez. Oh putain. Ah non! Salopard. Alors j'ai découvert... Oula, oula, 20 FPS. Qu'est-ce qui t'arrive, Coco? C'est bon. Oh! Là, c'est la survie. Là, c'est la survie. Attention. On va y aller à coup de pelle maintenant. Viens là, toi. Oui! Non, il est pas mort. Non! Ah, il me reste une vie. Je vais essayer d'attendre que les autres s'entretuent. Oh oui! Quoique là... Non! Ah la vache! La vache! Bon, voilà. Voilà, il y a un petit parcours, je sais pas trop où ça mène. Ça mène là, oui, d'accord. Ok. Donc voilà, hein, pour ceux qui connaissent pas Epicube, c'est plein de mini-jeux comme ça, assez sympa, on s'éclate bien. Affaire entre potes, franchement. Affaire entre potes. Oui, donc je reviens à ce que je voulais dire. Ouais, j'avais fait une annonce, machin, mais le truc, c'était surmodé à mort. J'avais pas envie de me prendre la tête avec 30 milliards de trucs à installer, tout ça. Mais pourquoi pas faire, je sais pas, une petite map survie hardcore ou en PVP, un peu du style du KTP ou ce genre de choses. Franchement, ça me plairait bien. Après, j'ai une très
passe expérience de Minecraft, ne serait-ce qu'en vanilla, etc. Bon, les crafts, je les connais à peu près. Mais voilà, je suis pas quelqu'un de rapide. Comment dire? Tout ce qui est raccourci, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je suis pas quelqu'un. Merde. Oh, putain. Je suis pas quelqu'un de très. Je suis pas un PGM de Minecraft, quoi. Je suis un joueur lambda. Qui connaît ses crafts, mais qui ne sait pas tout. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Une petite map survie, pourquoi pas avec les autres, hein, si ça les intéresse, les autres de la Gaming for Fun. Ça peut être très très sympa. Ou rejoindre un serveur PVP faction, ou se faire des KTP, ou je sais pas. Faut voir. Franchement, faut voir. En tout cas... En tout cas, les vidéos de Mr. B-Boy m'ont bien donné envie de rejouer à Minecraft, c'est fou. C'est fou. C'est totalement fou. Bon alors, ils ont fini de s'entre-coup de pêler la tronche, là. Je suis vraiment une bite. Même ça, je peux pas le faire, quoi. Vous voyez, comme quoi, j'ai besoin quand même d'expérience, hein. Ok. 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 Oui. Merde. Bon, plus que deux survivants, là. C'est le duel, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là. Ah! Ça y est. Victoire de Minecreep the Best. Bien joué, Minecreep. Minecraft the best a gagné. La précédente partie, j'étais arrivé deuxième, mais c'était à Moutron. Moutron. Bon, je pense que vous connaissez Moutron. De toute façon, les vidéos sur Epicube, il y en a 45 milliards sur YouTube. C'est pas la peine de faire celui qui explique un peu le serveur, ça sert à rien. De toute façon, tous les grands, enfin tous les YouTubeurs Minecraft qui sont assez connus ont déjà fait 30 milliards de vidéos dessus, donc c'est voilà. Les jeux. Alors, il y a quoi de beau là? Alors, l'UHC, je vais pas m'y frotter maintenant. Il y a vraiment beaucoup de joueurs en UHC. Regardez, il y a des parties, il y a 240 joueurs, 295, 85, 80, 219, 22, 102. Enfin, vous voyez quand même quoi. Là, il y a 5000 joueurs sur le serveur, presque 6000, je crois. Ça augmente. Hein. Parce que là, je tourne cette vidéo, il est 1h26 de l'après-midi. Bon. Après, Fallen Kingdom, ça a l'air pas mal. J'essaierai ça en off, parce que j'ai pas envie de me ridiculiser, mais alors pas du tout. Moutron, c'est sympa, mais ouais. Ouais, il y a très peu de joueurs dessus, c'est un petit jeu sympa, quoi, pour vite fait. PVP Swap. Des modules aux ressources, configurations différentes, mais vous n'y serez pas forcément seul. Le but, éliminer tous les autres et rester en vie, d'accord. C'est une sorte de... Ouais, t'es tout seul contre tout le monde, et t'es téléporté dans une espèce de mini-carte. Enfin, ouais. C'est du deathmatch, quoi, on va dire. Ship Wars, deux équipes s'affrontent dans des décors variés en s'envoyant des moutons au pouvoir unique. What the fuck? What is the fuck? J'ai envie d'essayer, ça. Allez, on va se faire un petit Ship Wars, et après, on va se quitter là. C'est vraiment une petite vidéo vite fait, et puis... C'est aussi pour avoir vos avis, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? What? What? Équipe rouge. Ok. C'est quoi ça? What? Qu'est-ce que c'est ça? What the fuck? What the fuck? Bon, j'ai un arc, ok, j'ai une épée. Ah d'accord, on peut s'envoyer... Ouais, il y a des mecs qui envoient des moutons, mais j'ai pas trop... Ah! Les moutons TNT, quoi, vas-y. Alors, je suis une bite... Oh, merde! Oh non! Oh! Ah, mais quel tub! Mais quel tub! Bah, je vais baisser un peu le son, là, parce que... Ah, c'est pas mal ce mode de jeu, mais bon... C'est chaud. What? Mais ce bordel.
Il reste combien de joueurs là? Oh, y a tout qui se... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un mouton trou noir quoi, le bordel, il aspire les cubes. Ah, il reste un joueur là? Ah, tu vas te faire défoncer, mon copain! Tu vas te faire défoncer, je le sens. Ah bah. Qu'est-ce qui se passe? Un mouton qui fait la nuit, non, c'est ça? Mouton intergalactique! What the fuck? C'est pas possible! Mais c'est quoi ce jeu? Ah, il est sympa ce mode de jeu. C'est un peu le bordel, mais il est sympa. Mec, quoi, mouton intergalactique. Oh, il a envoyé un truc, lui, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où on a les moutons, il doit y avoir des coffres ou. Ou des trucs comme ça. Ou alors faut se les. Ah, ouais, ok, c'est un spectateur. Ou alors faut se les équiper avant de commencer, mais je suis arrivé un peu tard donc. What? Mais comment ils envoient ça, eux, en mode rien à foutre? Ouais, ils ont du mal à l'avoir quand même, le dernier, là. Comment que c'est? Berger 27. Berger 27. Oh là! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment il a fait ça? C'est bon, il l'a eu. Bien joué. Bien joué, Berger. Allez, vas-y. Tu vas y arriver. Défonce-le. On peut descendre ou ça risque? Ouais, on peut descendre, c'est cool. Allez, défonce-le, vas-y. Mais non, mais quand même. Y a des... Oh, derrière toi! Non! Non! Ah! Victoire de l'équipe bleue. Chiotte. Bien joué. Bien joué, les gars. Bien joué. Alors, apparemment, il y avait 83 joueurs. Je les ai pas vus, perso. J'ai cru qu'on était à 5 contre 5, un truc dans le genre. Bon, ouais, voilà. Petite vidéo vite fait sur Epic Cube. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. À me proposer des trucs aussi. Hein, pourquoi pas. Hein, si vous aimez Minecraft, proposez-moi des trucs. Ça peut être très, 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 très sympa. Genre map survie, comme je vous l'ai dit, hein, des petits KTP, des petits mini-jeux, des petits trucs, des petits machins. Y a pas de souci. Proposez-moi ce que vous voulez et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Votre avis compte vraiment. J'insiste là-dessus. Je veux votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez ou non du Minecraft. Voilà. C'est surtout ça aussi que je veux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ah, ça serait très gentil. Très gentil, le pouce bleu. Et n'hésitez pas à, comme je l'ai dit, laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas fait, à partager la vidéo. Enfin, voilà. Et tout ça, et tout ça. Et je vous dis à tous, bonne soirée et bonne journée. Et à la prochaine, c'était Azarath pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!